Le cauchemar psychomoteur, ah oui, c'est toute une histoire. C'est la, dans cet enregistrement, il y a la première utilisation par un guitariste en France, dans un enregistrement, de la pédale wah-wah qui fait qui tord la note. Et le pauvre regretté Bernard Fotzer qui jouait de la guitare. Alors c'est une chanson révoltante, qui se révolte contre la stupidité de ce père de famille qui sort sa carabine pour poursuivre un jeune étudiant qui fait du stop. Et il y a eu un désaccord entre Pierre Delanoë, qui est un homme super doué, qui écrit à une vitesse formidable. À un moment donné, je disais, comme j'avais beaucoup marché. Comme j'avais beaucoup marché, j'étais fatigué. Je vois une espèce de ferme, je me dis, je vais m'arrêter. Ah, il me dit, Hugues, en français, on dit, comme j'avais beaucoup marché. Je dis, non, justement, c'est marché. Parce que c'est l'accent tonique, chez les Anglais et les Américains, l'accent tonique est sur l'avant-dernière. C'est tant que ça, il est caractéristique, et en France, pas du tout. Donc, j'ai choisi... Il y a un hélicoptère qui passe. J'ai choisi de garder le marché. Et voilà, je pense que c'est la première chanson française où il y a eu l'accent tonique à la fin, avant la dernière syllabe, c'est cette chanson-là. Un grand gaillard de fermier va me braquer son canon à...